Salut les amis, c'est Monsieur Dour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Ghost Recon Wildlands les amis, en mode solo. Hein, je suis avec la team des Ghosts, hein, donc en mode infiltration cette fois-ci puisque je suis en solo. Non je rigole, on va tester. On va tout simplement partir sur une mission et vu qu'on a commencé une nouvelle zone, on va partir sur déjà une exploration et récupérer... Ah non, on a une mission là. Localiser le camion professionnel sans vous faire repérer. On va aller faire ça. Moi en off, j'irai chercher. Où est stocké l'équipement pour le concert d'El Chido. Le camion promo du show va nous servir à le faire sauter. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le voler. Ok. Donc on va aller le voler sans se faire repérer. C'est, vous savez que c'est très compliqué pour moi ça. Ça va être très compliqué. On va tenter. Et en off, j'irai chercher tout ce qui est pièces d'armes, compétences, tout le bordel. Et comme ça, je serai tranquille. Je tiens à vous signaler une petite chose. J'ai découvert, enfin, j'ai peut-être mis le temps par rapport à d'autres gens qui le savaient peut-être depuis le début. Mais il y a une application qui est disponible sur iOS et Android qui s'appelle Ghost Recon Wildlands, les amis. Et à l'intérieur de cette application, vous pouvez gérer tout ce qui est du network, tout le bordel. Mais vous avez aussi un petit jeu. Vous avez aussi un petit jeu qui s'appelle Guerilla. Et donc c'est un petit jeu mobile, hein, comme tous les petits jeux mobiles qui pourraient exister. Le seul truc c'est que en fait vous récupérez des compos. Hein, des compos qui sont nécessaires pour le jeu. Et je vais vous montrer en fait dans les compétences. Vous voyez que les points de compétences, en fait, vous avez à côté des trucs verts. Vous voyez que le carburant j'en ai 5300, les trucs de soins j'en ai 3800. Les transmissions j'en ai 4475 et la nourriture j'en ai 7700. Ça on les récupère en faisant les missions secondaires dans le jeu, hein, voilà. Donc dans le jeu il y a des missions secondaires et c'est comme ça que vous récupérez ces compos. Et ces compos sont nécessaires pour débloquer les compétences. Donc en gros si vous voulez débloquer une compétence, par exemple si je veux débloquer le dernier palier de visée stable, il va me falloir 4 points de compétence. Et vous voyez qu'il va me falloir 5000 de carburant. Donc quand je veux débloquer ça, ils vont me déduire les 5000 de carburant. Et du coup voilà, faut continuer à faire des missions secondaires pour récupérer toutes ces compos et toujours débloquer plus de compétences. Et ben dans ce petit jeu Guerilla, vous avez donc des petites missions à faire avec des rebelles, blablabla. Et ça vous permet de récupérer des compos justement, ces compos-là. Et ces compos-là, après, vous pouvez la synchroniser avec votre partie console et vous envoyer 5000 compos par jour. Donc c'est quand même plutôt rentable et ça vous évite tout simplement d'aller faire des missions secondaires. Si vous n'avez pas envie de les faire dans le jeu, et ben vous pouvez tout simplement ne pas les faire et vous concentrer sur la mission principale. Après il y a quand même des HF, puisque moi j'ai envie de platiner le jeu, il y a quand même des HF à faire pour qui concernent les compos, donc on les fera quand même, mais voilà. Si vous avez envie, planquez-vous. Si vous avez envie de récupérer des compos assez facilement, voilà, vous avez juste, les amis, à télécharger cette application et à le faire tranquillement de votre côté, comme ça. Ça prend pas super longtemps, hein. C'est pas non plus un jeu où t'es obligé de jouer toutes les 30 secondes. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer ces marchandises. Cool. Moi, je trouve que c'est bien cool. Drone actif. Ok, allez, c'est parti. On va essayer donc de récupérer. On va essayer de récupérer donc toutes les infos et de faire donc la mission sans se faire repérer. Le camion est garé dans ce hangar. On se fait pas remarquer et on le fauche avant que le cartel s'aperçoive qu'on s'est incrusté à leur petite fête. J'ai le camion promo en visu. Bowman veut qu'on le remplace par un autre qui explosera à destination. L'objectif, c'est de détruire l'entrepôt où sont stockés tous les produits dérivés. Il faut qu'on agisse vite et sans se faire repérer. Okay, on va essayer de repérer un peu tout le monde pour l'instant. Il doit y en avoir un autre ici, là, dans la petite cabane. Ok, mais déjà, on va essayer de tuer ce mec. Quoique, on va essayer de faire ça, 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 et moi je vais essayer de tuer l'autre. Je vais essayer de tuer l'autre. On va passer au sniper. Pas de solution de tir. Alors attendez. Parce
parce que là, faut attendre qu'il soit 5 fois que 2. J'engage. Voilà, c'est ça qu'on veut, les gars. C'est exactement ça qu'on veut, les gars. Alors, moi, j'ai débloqué hein, le talent du sniper, donc maintenant, je peux sniper plutôt facilement. D'ailleurs, faut que je fasse mon HF, hein, où je dois sniper une cible à 400 mètres. Pour l'instant, mon record, c'est 303 mètres. Mon record de snipage, c'est 303 mètres. On va avancer un petit peu. On va passer avec le fusil d'assaut, par contre. Alors, j'ai débloqué le G36 aussi. Grâce à la boutique, je crois que c'est grâce au club Ubisoft. Si jamais ça vous intéresse, passez dans le club Ubisoft du jeu et vous verrez qu'il y a un magnifique G36. Je suis avec, donc je suis en train de le tester pour l'instant. Ce qui m'emmerde, c'est que là, il y a encore du monde dans cette maison. Enfin, dans ces maisons que j'arrive pas à choper. Non, c'est un ouvrier. Il est là le deuxième, voilà. Ok. On en a un ici, là. Voilà. Donc. Cible confirmée. Paré à l'attaque. Ok, dès qu'ils sont synchrones. Ce que je ne pense pas, parce qu'ils sont dans la maison, donc du coup, ils vont jamais pouvoir les avoir. Cible marquée. Cible perdue, je répète, cible perdue. Cible perdue, ils sont étonnés. J'ai perdu la cible. Ça m'aurait étonné. Du coup, on va essayer d'avancer. Il n'y a plus que le 1 qui est toujours à l'intérieur. Pas de solution de tir. On va essayer de se les faire un par un du coup. On va juste essayer de faire très attention. What? Compris, je l'ai dans le viseur. Ah mais non, mais ils nous ont vu d'où? Je suis pas d'accord, moi. Je suis absolument pas d'accord. Ah, peut-être que comme ils étaient encore synchrones, les autres, ils ont quand même essayé de tirer. Ah ouais, ça serait nul, ça, par contre. Ah ouais, ça serait carrément nul. Putain, il y a l'unidad derrière. Par contre, là, on est de l'autre côté. On est carrément de l'autre côté. Est-ce que je peux... Eh, franchement, là, on tente. On sait qu'il y a des gars hein, qui sont là-bas. J'ai repéré un autre ennemi. 3, jamais 203. Donc... J'exécute. 2... 3... Cible repérée. Le quatrième, il est où? Je l'ai aligné. Ouais, ouais, bouge pas, bouge pas. Bon. Bouge pas, hein. Je cherche juste le quatrième. Qui doit être dans la petite guérite. Oh putain, je tenterais bien de le tuer. Juste pour avoir mon HF, je tenterais bien de le tuer. Je sais qu'il y en a 4 normalement. J'ai perdu ma cible. Bien. Quand tu veux, chef. Attends, il bouge.
Je sais qu'il y en a 4, normalement, il est où le quatrième? D'ailleurs, il y en avait 4, donc faut pas qu'on se fasse avoir. Cible perdue, je répète, cible perdue. Ouais, je sais, t'inquiète. T'inquiète pas, Kiki, t'inquiète pas. Tirer. Ah, il est là. Ok. Alors, attends, ce que je dis... J'ai plus la cible en visuel. Ennemi désigné. Je vais me prendre celui-là. On fait quoi? Hop. Reçu, cible désignée. Bon, c'est bon. Ok, on est prêt. J'ai buté. Ils sont en alerte. Ah putain, on est vraiment trop loin. Faut que je sois beaucoup plus haut. Je pense qu'on peut le faire. Faut que je sois beaucoup plus haut. Alors je suis désolé si on va louper quelques trucs, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. On va se mettre là. On va se mettre ici. Alors, on a lui que je vais garder pour ma gueule. On a un qui doit être au fond là-bas. J'en vois un autre. Tac. Je vois une cible. Cible. C'est bon pour moi. Reçu. Alors, faut qu'on chope le quatrième qui doit être quelque part par là. S'il pouvait se montrer, ça m'arrangerait. Au pire, ici, il nous gêne pas trop non plus, quoi. Allez, chope-le, là. Ouais, il nous gêne pas. On va le tuer. On va tuer l'autre, là. Alors on va essayer de tirer beaucoup plus loin. 1, 2, 3. Je l'ai eu. Oh le bâtard! Putain mais... chaud avec le... Avec la balle qui redescend quoi. Faut que j'arrive à le choper. Hein. Je sais pas si j'étais au-dessus ou si j'étais en dessous. S'il faut que je lève plus ou s'il faut que je lève moins. C'est ça qui est embêtant. Il est à 400 mètres, hein, donc là j'ai mon HF. Hein, si je le chope, j'ai mon HF. Quoi. On va y arriver, moi je vous le dis, je suis persévérant. Si je me mets couché, est-ce que ça va changer quelque chose? On sait pas. Bon, en tout cas, on y retourne. Hop, les jumelotes. J'en vois un autre. J'envoie un troisième. Pourquoi je peux pas le marquer là? Ça m'énerve ça. Le gars qui s'énerve pour rien. Pourquoi ça veut pas les marquer ça, sérieusement? Parce que je suis couché. Wow, alors ça c'est souvent ça par contre Jean-Michel. Très clairement hein. Et on n'est pas à 400 mètres. Alors attendez, parce que là on n'est pas à 400 mètres en plus. Bon, par contre, c'est relou. Ouais, ça c'est relou. Je sais pas si c'est un bug ou pas, hein, vu que c'est un jeu Ubisoft. On se rend droit de se demander. Ok, très bien. Donc ça veut pas du tout synchroniser. Ça veut pas synchroniser les gens. Ok, ce jeu est génial. Ce jeu est génial. Est-ce que tu pourrais me trouver un soldat là dans le coin s'il te plaît, Jean-Michel? On sait qu'il y en a dans ces baraques là. Non, t'as pas envie. Ah voilà. Ah non, ouais, il veut pas. Aujourd'hui, il veut pas.
Il veut pas qu'il y ait de tir synchro, d'accord, très bien, c'est génial, écoute. Non mais sérieusement, je marque le synchro. Putain. Il se fout de ma gueule ce jeu. Non mais s'il te plaît quoi. Toi. Non mais vous faites quoi? Putain mais qu'est-ce qu'ils foutent derrière aussi là les mecs? Ils sont en train de péter des câbles, regardez ils courent. Non ça c'est une grenade. Regroupement. Regroupement bande de cons là. Putain je vous jure. Je vais y aller tout seul moi à force. Hein. Ok. Allez les PD. On y va cette fois-ci. Bon, ben va te faire enculer, tiens. J'en ai marre. J'en ai marre. Non, c'est... Mais ils pètent des câbles, ces cons. Mais qui sont cons, je vous jure. C'est pour ça que ça marche pas, en fait. Parce qu'ils sont complètement buggés, là. Ils sont buggés. Putain, mais vous faites chier, là. C'est bon, là. Vous avez compris, les connards. Ok, bah moi, je vais tuer quelqu'un. Puisque c'est comme ça. Mais non, équipe le silencieux, fais-moi pas chier. 400 mètres. Toi, t'es mort. Allez. Je suis au-dessus. Au-dessus. Ah, je l'ai touché. Et j'ai mon tir à longue distance. Je l'ai eu à 400 mètres, ce bâtard. Allez, bim. C'est bon, maintenant, on va faire la mission. Ah, putain, merde. J'ai eu mon trophée. Ok, c'est parti, les gars. J'ai eu mon trophée, nananère. Ah, putain. Je suis un vrai petit sniper. Et c'est chaud par contre, hein, parce qu'il faut calculer, enfin faut bien tomber et tout. Là j'étais au pif, hein, vous avez vu, c'était la troisième balle. Troisième balle que je tirais pour l'avoir, donc c'est quand même bien balèze. Hein. Ok, on va faire gaffe quand même, parce qu'on sait qu'il y a un mec ici. Le drone a décollé. Ah non, absolument pas, il est pas là aujourd'hui. Ils nous font des petites blagues. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Là, il y en a un. Faut qu'on aille dans cette maison. Hein. Allez, tu le vois là, Jean-Michel. Bah oui. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. C'est bon, on a trouvé tout le monde dans cette maison. Et là on est trop loin. On va s'en installer un petit peu. Faut qu'on aille dans cette baraque là parce que il y a un truc, il y a une étoile à récupérer et il y a surtout un document. J'ai repéré un groupe de sicarios. Là-bas près de la décharge. Il y a un document à récupérer. Putain les radios. Hein.
y a algo. J'ai trouvé une décoration du cartel. Et bim, voilà. Non mais... Il y a une feuille de coca sur cette médaille. C'est presque cool. Et on sait que le document, normalement, il est en bas. Il est au rez-de-chaussée, il me semble. Ouais, ton didacticiel de médaille, on s'en fout un peu. Et ils vont pas nous lâcher, quoi. Une médaille ne produit ses effets que si la compétence correspond à débloquée. Ah, ok, d'accord. T'es un chanteur de gospel ou un truc comme ça? Du coup, El Camionito. Je suis le conseiller spirituel del sueño. Le camion est garé dans ce hangar. Ouais, on ne s'est pas remarqué et on le fauche avant que le cartel s'aperçoive qu'on s'est incrusté à leur petite fête. C'est le camion promo aux yeux. Bowman veut qu'on le remplace par un autre qui explosera à destination. L'objectif, c'est de détruire l'entrepôt où sont stockés tous les produits dérivés. Il faut qu'on agisse vite et sans se faire repérer. Ok. Donc du coup, on va essayer de récupérer le camion. Ils sont tous en train de dormir, je pense. Hein. Ils sont dans le réfectoire, enfin dans le... Le problème, c'est que c'est ouvert. Ah ouais, non, ils sont tous là, putain. Ils sont tous en train de manger, en fait. Battez un peu tout ça. Ça dérange pas si je prends un CD ou deux. Attends, tu peux acheter ces MP3 en ligne. Là, c'est gratos. Oubliez un peu la musique, il y a plus urgent. Il faut encore qu'on aille échanger ce camion, prendre rendez-vous et qu'on revienne avant que quelqu'un s'en aperçoive. Allez, vas-y, barre-toi. Ah, on le ramène un camion en plus. Oh. Ah ouais, mais attends, mais mec. Alors déjà, les mecs, ils sont en train de bouffer, il y a un camion qui se barre, ça les dérange absolument pas. Et après, je vais revenir 3 minutes plus tard avec un nouveau camion et ça les dérangera pas non plus. Putain, il y a la Unidad en plus, quoi, t'es sérieux? Grouillez-vous, il faut qu'on ramène l'autre camion. Oui, bonjour. Oh, Jean-Michel! Quérolio, amigo, t'as un camion à échanger? Ton espagnol est presque aussi laid que ton anglais. Le voilà, ton camion. Tout le C4 est armé et nos préparateurs ont appris chez les communistes. Alors faites bien gaffe dans les virages. Merde. Alors par contre, monsieur le rebelle. Déjà pour venir ici, j'ai failli me chier dessus. Fous-toi pas trop de ma gueule, hein. Fous-toi pas trop de ma gueule avec mon accent espagnol parce que je te mets une balle entre les deux yeux, tu vas voir si mon anglais il est pire que mon espagnol. Connard, va. Putain. Les mecs ils sont. Attends, c'est des Boliviens les gars, ils ont cru qu'ils pouvaient se foutre de ma gueule quoi. C'est pas possible quoi. Il nous reste 56 secondes pour armer ce putain de camion là-bas. Ok. Ça devrait être faisable ou pas? Ça fait combien de temps qu'on est parti? Ça devrait aller. Et vu qu'on a remplacé un camion de CD par un camion de C4, je préférerais qu'on y aille doucement dans les virages. Ton recruteur, t'avais pas dit que tu piloterais un camion d'explosifs à fond la caisse sur des routes de campagne? Il nous reste 30 secondes pour remettre le camion, ça devrait le faire ou pas? Oh, puis il y a des gens qui ont bougé là. On va se faire repérer, c'est pas possible. Il faut quitter la zone sans se faire repérer. Très bien. C'est pas là, Jean-Michel. Ok, salut. La veste ? On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer la marchandise. L'autre, je sais pas où aller, mais je m'en fous, je me tiens. Putain, elle doit être juste là. Ah oui. Allez, vas-y, on se tient. Allez, c'est une mission réussie là. On a interverti les camions sans se faire sauter. Bim, allez, ça c'est fait.
C'est très la mission réussie, ça fait plaisir. Pourquoi ça explose là-bas? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi le camion a explosé, s'il vous plaît? Vous pouvez me le dire? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce putain de camion a explosé, s'il vous plaît? Midas! Et pourquoi je suis traqué? Mais j'ai rien fait, moi, Jean-Michel! Il va bien, lui! Il va me traquer! Me traque pas! Je suis pas un traquage! Putain, je vous jure, quoi! Pas de ma faute, moi, si le camion a explosé comme un connard, là! Bon, bah écoutez, de toute façon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai réussi mon petit trophée hein, du shoot à 400 mètres. Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas, comme d'habitude, bien sûr, le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui soutient les youtubeurs. Hein. Merci à vous, les gars, de passer 30 secondes hein, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage sur les réseaux sociaux et, ou alors vous abonner. À la chaîne YouTube, hein, ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. On se retrouve très bientôt sur Ghost Recon, ça sera mercredi soir en live et jeudi soir en live aussi sur la chaîne Twitch, donc si vous avez passé, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus, il y a 3 places hein, disponibles dans l'équipe à chaque fois, donc n'hésitez pas si vous avez le jeu sur PS4 à me rejoindre sur la chaîne Twitch mercredi soir et jeudi soir. On souhaite de bonnes vacances, bien sûr, à Mickaël qui est actuellement en croisière, oui, il fait la croisière, s'amuse. Merci à lui. Bonnes vacances, Mickaël. Et nous, on se retrouve très bientôt à la prochaine. Salut! Bye bye!